Voilà, donc j'espère que les signes zodiaques pour un mois, hein, ça vous plaît. Voilà. Donc là, j'arrive au dernier. Je vais faire le Sagittaire pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Voilà. J'aurais bien travaillé aujourd'hui quand même. Hein, voilà. Donc, il faut changer un peu. Hein. Alors, pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre 2021. Alors, on vous dit que vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou les capacités de les manifester. La vie est magique. Donc, surtout, d'accord, vous êtes, faut garder confiance en vous, d'accord? Il y a un heureux événement qui est pour vous, d'accord? Donc qui va vous appuyer. Vous allez avoir de nouvelles idées qui va vous mener à la réussite. Mais il faut que vous ayez foi en vous, d'accord? Ensuite, il faut rester vraiment concentré et oser dire votre vision des choses. Voilà. Ensuite, la réponse. Vous avez un choix peu judicieux à faire, mais il faut que vous tirez des leçons de cette situation. D'accord? Analysez le motif de chacun. Donc, tout le monde a son libre arbitre. Et sur ces belles cartes, hein, si vous êtes concentré, en tout cas, sachez, retenez, vous êtes prêt. Il faut examiner la situation et l'évaluer. Il y a franchement une évaluation favorable des faits et le temps est venu d'explorer autre chose, d'accord? Donc, d'explorer quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Alors, pour votre âme, alors, pour les Sagittaires, septembre 2021, on vous dit de prendre du recul, respirez et faites quelques pas en arrière et vous pourrez apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, vous concentrez, d'accord? Examinez bien ce qui se passe en prenant un peu de recul et vous allez voir les choses autrement. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour cette 2021. Vous devez absolument vous faire confiance, d'accord? Si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Et on vous dit aussi de laisser votre passé derrière vous, d'accord? Pour avancer, il faut se faire confiance et il faut aussi tourner les pages. Alors, on ne vous dit pas d'oublier, parce qu'on n'oublie jamais rien, mais il faut savoir vivre avec. Hein? Alors, le centre de votre vie pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Alors, hop. Bon, ben celle-là, je voulais rester, donc je dois vous la dire. Voilà, il va falloir entreprendre, d'accord? Vous pouvez créer des choses, entreprendre. Ça va vous aider à vous faire confiance, d'accord? Ça va vous apporter un sentiment d'accomplissement, de réussite. Et avec la carte de la justice, ça va vous amener un équilibre, d'accord? Voilà.
Il y a des gens comme ça, hein, qui sont manuels, qui ont besoin de créer, d'accord? Et c'est ce qui va vous amener à un équilibre. Donc, si vous n'êtes pas très bien, hein, en ce mois de septembre, hein, pour oublier peut-être le passé aussi, hein, et pouvoir prendre un peu de recul, eh bien, essayez de créer des choses, hein, voilà. On n'est pas tous manuels, mais de toute façon, il faut un début à tout. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît, voilà. Sagittaire. Alors, là, on parle de joie à la maison, d'accord? Si vous êtes à la maison, vous allez pouvoir vivre dans le ici et maintenant. C'est vrai qu'on a une vie très mouvementée dans ce monde, d'accord? Donc, peut-être que être à la maison, hein, avec la famille, être au foyer, va vous ramener un peu de sécurité, un peu de bien-être. Voilà, c'est nécessaire quelquefois, d'accord? C'est nécessaire aussi peut-être, hein, pour prendre un peu de recul, vous voyez, et pour construire quelque chose de nouveau, un horizon nouveau, une nouvelle profession, une nouvelle vocation, enfin voilà, d'accord? Alors, pour les Sagittaires, on a les réunions, donc les discussions et les accords, les communications. On a aussi le départ, donc un nouveau départ, hein, peut-être abandonner quelque chose pour laisser place à la naissance, hein, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Septembre 2021, pour les Sagittaires. Alors, il faut un peu de patience aussi, d'accord? Ça a mis un peu de lenteur, mais c'est normal. C'est un temps qui est nécessaire pour un changement positif, d'accord? Donc, pour quelque chose de mieux. En tout cas, sachez que vous êtes protégé, d'accord? Vous avez la carte du bouclier. Si vous avez des soucis au mois de septembre, ça va s'améliorer. Voilà. Vous allez trouver des solutions, découvrir des nouveaux projets. Voilà. Alors, pour... ben non, les énergies, je les ai fait. Ça, ben, je les fais aussi. N'importe quoi. Je reprends encore les mêmes cartes. Peut-être des choses à vous dire, hein, voilà. Mais bon, je fais beaucoup de vidéos aujourd'hui, hein. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Les frontières sont très solides, mais elles peuvent être aussi rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. D'accord? Donc, on y va en douceur. Voilà. Vous avez le droit d'exprimer votre ressenti, vos sentiments, votre opinion. Vous avez le libre arbitre de vos pensées, voilà. Vous avez aussi le droit et surtout, c'est vraiment nécessaire de dire ce qu'on ressent, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous le dites, voilà. En tout cas, sachez que dans ce que vous allez décider, voilà, on voit quand même qu'il va y avoir des discussions, mais qu'il y aura des accords, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il est possible que vous partez, hein, que vous quittez, parce que l'entente n'est pas bonne. Mais à côté de ça, n'oubliez pas qu'il y a un nouvel horizon pour vous, quelque chose qui est en cours, d'accord? Quelque chose de beau.
Voilà, donc c'est très très bien. Et c'est pour beaucoup de monde, hein, vous voyez. Voilà, d'accord. N'oubliez pas de prendre du recul, hein, de réfléchir avant d'agir. Vous avez les idées mélancoliques, hein, voilà. Mais tout ça, c'est du vieux, hein, du vieux qu'il va falloir laisser de côté. C'est voilà, il faut rentrer dans ce nouveau monde, d'accord? Il faut aussi, on a la carte du voyage. Donc le voyage, ça veut dire, voilà, voyager, bien entendu, mais ça peut aussi vouloir dire bah, que c'est le moment de prendre des décisions, d'accord? De se bouger, d'accord? Par rapport à cet emprisonnement que vous vivez, d'accord? Ça vous correspond pas, hein? Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2021, alors, on a vraiment, vous voyez, sur cette idée mélancolique et le vieux, on a l'été, hein. Donc, vraiment quelque chose de beau, hein, de mieux, d'accord? En tout cas, quelque chose de nouveau. Et on a aussi, on a eu tout à l'heure, hein, la carte du départ, mais on a aussi le déménagement, d'accord? Les déplacements, la route, hein. Donc, il est possible aussi que pendant ce mois de septembre, vous déménagez, voilà, que vous en avez marre de tout ce cirque, hein, et que vous partez ailleurs. Voilà. Donc, voilà pour les Sagittaires. J'ai terminé les signes astrologiques pour le mois de septembre. Voilà, j'ai eu l'idée de faire ça. Peut-être est-ce un signe. J'espère que ça vous plaira. Merci pour les nouveaux arrivants. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà, mais si vous n'en avez pas envie, hein, voilà, je ne force personne. Je vous remercie en tout cas tous de me suivre. Voilà, j'espère que ces nouvelles choses vous plairont, vous feront plaisir. Ça change un peu, hein. On ne peut pas toujours faire les mêmes tirages. D'autant plus que vous avez vu, voilà, ben, je me suis trompée pour la rentrée. Il y aura vraiment cette rentrée, en plus des enfants avec les masques, donc c'est pas chouette du tout. Mais bon, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de parents qui n'allaient pas mettre leurs enfants à l'école. Donc l'avenir nous le dira, hein, les profs se mettront peut-être en grève. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle nuit. Voilà, et faites de beaux rêves.